Une nouvelle journée de travail qui commence. En avril 2016, Julius Luciba avait commencé sa journée de la même manière. Mais ce jour-là, il est tombé inconscient de sa moto après avoir été attaqué. Julius garde de cette journée une grande cicatrice sur le front et des souvenirs douloureux. Alors que je déposais un client, deux personnes qui attendaient m'ont frappé violemment deux fois avec un marteau. Ils ont tous pensé que j'étais mort. Julius a passé un mois dans le coma dans un hôpital de Kampala et sa moto a été volée. La moto-taxi est sa seule source de revenus et selon lui, d'honorables conducteurs de Boda Boda sont aujourd'hui dénigrés. Beaucoup de ceux qui commettent des crimes sur des Boda Boda n'en sont même pas propriétaires. Ils louent les motos pour commettre leurs forfaits et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes pointés du doigt. L'industrie du Boda Boda continue de se développer rapidement à Kampala. C'est le moyen de transport le plus rapide et le plus pratique de la ville. Mais la police prévient que certaines de ces motos servent à des criminels. Certains des conducteurs, comme Julius, en ont eux-mêmes été victimes. La police métropolitaine de Kampala dit que le business des mototaxis doit être considéré comme un problème de sécurité publique. Beaucoup de porte-à-portages utilisés pour commettre des crimes ont été volés. Donc même si on les retrouve dans notre base de données, on découvre souvent qu'ils ont été volés. En fait, ils les cachent et installent de fausses plaques d'immatriculation. C'est une de leurs manières de procéder. Le secteur des mototaxis continue malgré tout de grandir. Et Julius peut être considéré comme relativement chanceux de pouvoir raconter son histoire, car tous n'ont pas survécu à la vie mouvementée des conducteurs de Boda Boda.